carte. Je vais Résistance, 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 rés
Vous avez vu comment on traite les juifs dans cette université? Regardez comment on traite les juifs ici. Des milliers de blessés graves. Jacob Grenger de Médecins Sans Frontières dit « Je n'ai jamais vu autant de gens à qui il manquait un bout d'eux-mêmes. » Des enfants innocents et sans défense, sont fauchés par les bombes israéliennes. Leurs membres disloqués, mêlés aux décombres. Il ne reste alors à leurs proches que des sacs de chair à pleurer. Il y a quelques jours, on pouvait voir ce qu'il restait de Hassan Ahmed, journaliste dont les seuls bouts de corps restants étaient placés dans une boîte à chaussures. Ces atrocités sont commises en toute impunité et avec un cynisme effroyable. Des discours d'une violence inouïe qui ne surprennent même plus. Animaux humains, comparaison avec les nazis pour justifier la famine. Des ministres affirment avec plein d'aplomb qu'il n'y a pas de civils non impliqués dans la bande de Gaza. Ou encore que le blocage de l'aide humanitaire serait justifié et moral. Et face à cette horreur, quelle a été la réaction de ceux censés nous représenter, de nos institutions? Déshumanisation constante, négationnisme du génocide, le maintien des partenariats avec des entreprises et universités complices du génocide. La honte! La violence ne tend qu'à s'accroître, utilisant les mêmes rhétoriques colonialistes, impérialistes et racistes. L'armée israélienne amalgame des populations riches et variées du Liban et de Palestine en simples terroristes en puissance. Parfois même, lorsque les bébés étaient encore dans le ventre de leur mère au moment des explosions. Pas non plus de mots de soutien pour les Français ou les journalistes morts dans les bombardements. J'en appelle alors à votre humanité. Si vous ne supportez plus de voir ces horreurs, ces images qui vous marqueront à vie, indignez-vous, levez-vous contre ces oppressions. Ce chemin ne sera pas sans obstacle, car la répression se fait de plus en plus féroce. Quatre de nos camarades ont déjà fait les frais. Leur accès à Sciences Po leur a été interdit en raison de leur solidarité inébranlable avec les peuples opprimés. Mais vous êtes notre force. Plus les actions sont massives et plus il est difficile de nous réprimer. Et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, from the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. Free, free Palestine. Free, free Palestine. People united will never be defeated. Palestinien, vive la
Pour le matin, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine.
Même si ça se peut le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si ça se peut le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tout ce qu'on assassine. Même si ça se peut le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Les élèves. Elles cherchent à nous intimider. Comme si on allait s'arrêter là. Mais on refuse d'être complices. Donc puisqu'on est là aujourd'hui tous ensemble, je vais vous demander si vous voulez bien faire un sit-in pour honorer la mémoire des victimes du génocide et montrer qu'on est là, qu'on résiste, qu'on va continuer à s'élever contre l'injustice faite au peuple palestinien. S'il vous plaît, sur la rue. Les gens sur le trottoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la rue si vous voulez participer au sit-in? Merci. Ça n'engage à rien. Il y en a beaucoup. Gaza, Gaza, Charpo est avec toi. Mais non.
résistance, résistance. Et de Paris à Gaza. Résistance, résistance. Et de Paris à Gaza. Résistance, résistance. Oui, c'est important de venir ici. C'était pas la première fois que je viens à Sciences Po soutenir les étudiantes et les étudiants mobilisés pour une question simple, celle de la paix, du cessez-le-feu et de la fin du génocide à Gaza. Il y a aujourd'hui une volonté dans ce pays politique, au plus haut niveau de l'État, de faire taire les voix de la paix, de faire taire celles et ceux qui se mobilisent pour demander qu'on arrête de massacrer des gens. Donc c'était important, comme parlementaire, d'être là pour apporter mon soutien à ces étudiantes et ces étudiants qui portent un message de paix, qui demandent qu'on arrête de massacrer des Gazaouis et aujourd'hui des Libanais. Ils dénoncent aujourd'hui les étudiants avec lesquels on a pu parler et Manuel Bompard ce matin sur BFM aussi un abus de pouvoir de la part du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est ce que vous pensez? C'est plus qu'un abus de pouvoir, c'est véritablement une dérive de l'état de droit et l'autoritarisme gouvernemental. Quel est le rapport entre la question de la laïcité et la défense du peuple palestinien et la question de la paix? Quel est le rapport entre la laïcité et la demande de respect du droit international? Ce que fait ce gouvernement, c'est faire taire toutes celles et ceux qui aujourd'hui, je le redis ici, portent une voix différente gouvernement français, c'est-à-dire un cessez-le-feu, un embargo sur les armes, un hommage national aux victimes palestiniennes et libanaises assassinées par l'armée israélienne. On n'a pas eu d'hommage national pour ces personnes-là et on redemande qu'elles soient reconnues comme des victimes civiles assassinées par une armée coloniale. Jean-Luc Mélenchon qui appelle donc depuis vendredi dernier à mettre des drapeaux libanais et palestiniens partout là où c'est possible, en particulier dans les centres et les universités. Vous appelez à ce que ça perdure, que ça se reproduise dans les jours qui viennent. Vous savez, les drapeaux palestiniens et libanais, ils étaient présents, y compris avant l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Et l'appel de Jean-Luc Mélenchon, c'est une réponse, justement, à l'abus d'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour dire « Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par ce pouvoir qui ne veut pas parler de la question palestinienne, de la question libanaise. » On a eu aujourd'hui des questions au gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères a été incapable de dire le mot « cessez-le-feu », a été incapable de citer le gouvernement israélien responsable du massacre. Donc oui, continuez à vous mobiliser. Moi, je suis pas là pour donner des consignes aux étudiantes et aux étudiants. C'est simplement pour leur dire vous avez raison, vous êtes du bon côté de l'histoire, nous serons à vos côtés dans toutes les mobilisations à venir. Dernière question, Emmanuel Macron, qui a été élu hier lors de la soirée d'hommage au CRIF, qui s'est prononcé justement pour l'arrêt d'armes en mode d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fallu 42 000 morts à Gaza pour qu'Emmanuel Macron décide de s'engager par des mots pour l'instant sur un embargo sur les armes. Vous avez vu comme moi la réaction que ça a suscité, des soutiens inconditionnels à l'État israélien. Emmanuel Macron siffler au dénis du CRIF, c'est absolument honteux. En vérité, ces gens ne sont pas pour la paix. Ces gens ne sont pas pour un cessez-le-feu, ils sont là pour massacrer et soutenir le gouvernement israélien qui massacre les Palestiniens. Donc c'est absolument scandaleux que le chef de l'État soit sifflé parce qu'il a pris une position qui est celle simplement du droit international, un embargo sur les armes au moment où on a des femmes, des enfants qui continuent d'être déchirés par des bombes. Ils vont les pousser vers Grenade à un moment et ils les poussent pour les dépasser dans le centre dans cette Grenade. Suivi. Thank you.
Attention, attention. Participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Devez vous disperser et quitter les lieux. Rangez les keffiyeh, vous démasquez et vous pourrez partir tranquillement. Donc devant Sciences Po, il y a eu une mobilisation qui a été lancée par le comité Palestine de Sciences Po à 16h30 en péniche. Donc la péniche, c'est l'entrée de Sciences Po qui est un espace d'échange entre camarades où il y a souvent des conversations politiques et etc. Et donc les militants pro-palestiniens de ce campus ont décidé d'occuper la péniche, puis de sortir et de faire un sit-in dans la rue Saint-Guillaume, car aujourd'hui nous sommes le 8 octobre 2024, et donc ce jour
marque les 1 an du génocide perpétré par Israël sur la population palestinienne à Gaza. Et donc nous, on est là pour exprimer un mélange d'émotions qui va de la colère, le deuil, la tristesse, la rage. Nous, tous les jours, on voit des images qu'on a l'impression que peu de gens voient. On voit des bébés décapités, on voit des personnes très très âgées qui perdent des bras, qui perdent des jambes. On voit des enfants qui n'ont même plus de cheveux à cause de la famine. On voit toutes ces images-là, nous, en tant qu'étudiants, qui nous mobilisons pour la Palestine de manière totalement indépendante. Hein. C'est un choix personnel, on n'est pas membre de quelconque organisation. On est là pour commémorer ce génocide, pour honorer la mémoire des victimes, mais également pour protester contre une décision prise par l'administration de Sciences Po ce matin, une décision de mise en section disciplinaire de quatre camarades ayant filmé une action de militants pro-palestiniens Sciences Pistes au Forum des carrières organisé par l'école. Qui protestaient contre la présence de Dassault Systèmes, BNP Paribas, L'Oréal et Carrefour, des entreprises qui sont directement complices du génocide israélien et de l'apartheid et de la colonisation israélienne. Donc ces camarades-là ont été mis en section disciplinaire. Pire que ça, ils ont eu interdiction de se rendre sur le campus jusqu'à la clôture de leur section disciplinaire, qui peut prendre plusieurs mois. Donc nous, on est extrêmement enragés contre cette décision de l'administration de réprimander les étudiants qui se mobilisent pour la Palestine. On pense que c'est aussi notre liberté d'expression et notre devoir en tant qu'étudiants d'exprimer notre désaccord. Et on est complètement en désaccord avec cette décision qui est complètement sommaire, injuste et qui n'a jamais été vue de notre vécu en tant qu'étudiants dans le cadre d'aucune mobilisation. C'est aussi en réponse plus à notre directeur et à la direction qui n'est pas forcément très fan de ces manifestations. Bah exactement, la direction n'a jamais été fan du mouvement pro-palestinien à Sciences Po, alors que nous sommes une université qui est intrinsèquement politique. Nous étudions la science politique, le droit international, les relations internationales. On est des étudiants qui sommes armés pour comprendre ce conflit et qui devront unanimement condamner ce génocide. Mais l'administration ne veut pas, l'administration de l'Institut d'études politiques ne veut pas que ses étudiants parlent de politique et fassent de la politique. Et c'est une administration qui a toujours été hostile au mouvement, mais qui l'est d'autant plus depuis l'investiture de Louise Vassy comme directeur de Sciences Po le 1er octobre, en sachant que Louise Vassy a été celui qui a saisi les sections disciplinaires pour nos camarades. Et donc nous, on est là pour dire qu'un an de génocide, des centaines de milliers de morts, on ne restera pas silencieux et on va continuer à se mobiliser. Et l'administration a beau être de plus en plus répressive, l'administration qui est complice du génocide, non, on pense que ça n'accentue que le bien fondé de notre indignation et de notre colère. Thank you.